Là t'es content? Oh non. Il n'y a plus de batterie. Mission sauvage de câble. Oh putain. La seule solution, ouais, c'est de sauter dans l'eau pour aller récupérer. Salut à tous, c'est Geeklab, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je suis pas actuellement dans mon setup, hein, comme tu le vois, ici juste derrière moi il y a la mer. Là je suis avec Pikachu, comment yo, tu vas bien? Ça va et toi? Nickel. Il m'a emmené aujourd'hui dans un endroit où il m'a dit là franchement tu vas mettre ton drone sous-marin et ça va être super cool parce qu'on va pouvoir voir plein de choses et du coup ben, je te fais confiance. Surtout vu comme il fait beau, ça va être incroyable. Il fait beau, il fait chaud, il y a des meufs. Ah non, il y a des pierres. Avec moi ça fait bien. Donc voilà les gens, j'espère qu'on va trouver pas mal de choses bah, dans l'eau, j'espère qu'on va avoir des poissons parce que voilà c'est quand même que je recherche le plus. Parce que voilà, quand t'as un drone sous-marin, forcément, moi pour ma part j'ai envie de voir des poissons, hein, c'est quand même mieux. Du coup c'est ce qu'on va faire ça tout de suite, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce blanc en bas de cette vidéo si vous voulez d'autres vidéos drone sous-marin, que je pense qu'on va en faire plusieurs au cours de cette année. Sur ce, on est parti pour aller préparer le petit drone et le mettre à l'eau tout simplement. Allez c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, hein, petit perro? Donc, alors on va pas pêcher ça, on l'a trouvé juste là. Ouais. Mais ce qu'on va faire, on va ouvrir ce. Bon, attention, waouh! Voilà. Wow. Donc, la serviette, on n'en aura pas besoin. En revanche, ça, on en aura besoin parce que c'est le petit câble qui va nous servir. Mais voilà. À avoir le drone bien protégé parce que sinon bah, si on a le drone sans le câble il ne marche pas. Le drone il est tout simplement. Que tu es prêt? 1, 2, 3. Il arrive pas, il est bloqué. Allez sortez madame. C'est parti. Voilà le petit drone sous-marin, regarde là comme il est. On va le mettre de côté, on va refermer maintenant. Qu'est-ce qu'il nous manque? Là il nous manque le poste wifi. Ah le poste wifi. Le poste wifi vous voyez il est à ton avis il est où? Et il est juste là. Et le poste wifi il est ici. Par contre attends, il va tomber. Et je vais faire tomber le téléphone hein, du coup. Et là tu vas le perdre dans les rochers. Si tu le perds là c'est fini hein. Donc voilà le poste wifi comme tu l'as dit il est ici. On va prendre la manette. La manette tout de suite on va accorder tout ce qu'il faut accorder tout ça. Allez prépare tout mon pierrot. Regardez là où on est. On est à la Ciotat. Il y a le petit phare. Il y a les vagues pour aller se baigner avec les dauphins. Et là le beau port. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on pense ici mon pierrot? C'est super beau. Montre les requins. Montre les requins. Requins, regardez les requins. Regardez les requins. Tiens regardez. Donc voilà les gens, actuellement on a tout branché, on a tout fait les branchements et tout ça. Est-ce que t'es prêt à mettre la mise à l'eau? Ah c'est toi qui es prêt à mettre la mise à l'eau. Moi je suis prêt à te regarder. Tu veux le lancer? Oui. Vas-y. Déroule mon Pierrot, déroule le câble. Allez, quand tu veux. Allez, quand tu veux. 3, 2, 1. Oh le plat, mon. Ah ouais il est à l'envers. Attends, ça y est, il revient. Il revient à la droite, c'est bon, il est sauvé. Est-ce que tu es prêt à mettre la mise à l'eau? Allez vas-y. La mise à l'eau, attention il va. Oh putain, parti. A mon avis il faut que tu descendes profond, il faut que tu t'orientes. Profond? Ouais je pense. Est-ce que tu crois qu'il y a un gros poisson qui pourrait le manger? Ou un poulpe? Un gros poisson? Il y a les poulpes ici. Et les poulpes peuvent te le choper et te le garde au fond. Pas peur les poulpes. Pas peur, moi je les mange. Je les mange. Alors il est là, on le voit très bien là. Alors l'eau elle a combien de température? Alors l'eau est actuellement à 17 degrés. Oh, tu as vu? Oh, je vois un requin. C'est vrai? Non. Il y a un requin. Qu'est-ce que tu racontes, mon Pierrot? Oh, qu'est-ce que c'est? Je remonte. Qu'est-ce que tu cherches là? Mais frère, il était là il y a deux secondes. Actuellement, j'ai un peu de mal à manipuler. Attends, mais le câble, Pierrot, il est bloqué, le câble. Oh putain, il va se cracher. Pierrot, il va se cracher vite, fais marche arrière. Qu'est-ce qu'il fait, Pierrot? Mais gros, qu'est-ce que c'est? Attends, on va où? Oh! Hey, il y a Titanic. C'est vrai, Titanic. Hop, là je vais aller au fond. Hop, là c'est bon, là je suis au fond. Tiens, attends, mets-toi en face de moi un peu. Voilà. Mais je suis à 4 mètres. T'es à 4 mètres là? Ouais, je suis à 4 mètres. Putain, pourtant on dirait pas, genre le drone il est là. Actuellement, je suis dans des herbiers là. Ok, genre direction les rochers. Donc pour les rochers, c'est très simple. Parce que là actuellement, on s'approche du rocher. Oh, il y a des poissons. C'est vrai? On commence à voir les poissons. Oh. Regarde, regarde, les poissons. Un poisson. Un poisson. Imagine un truc qui serait bien comme vidéo. T'accroches un fil de pêche. Au drone et en fait après c'est de pêcher un poisson avec le drone. Ah ouais c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal. Et les gars lâchez un like et si je vois qu'il y a pas mal de likes ben je ferai ça. Ah par contre Pierrot tu regardes ton écran, fais gaffe de pas tomber dans l'eau hein. De pas. Le mec il était proche de l'eau, il allait tomber. Là il est où là le drone? Là le drone il est caillou. Il est caillou? Ah ouais il est là. Alors je sais pas si on va voir le câble. Mais le câble il passe là. Il va là-bas jusqu'à tout là-bas. Voilà. Vas-y je pars en aventure. Est-ce que je vais survivre? Oh, je vois le câble. Oh putain. Oh là là. J'ai failli mourir. Il est juste là. Pour rencontrer. Pierrot, il est là-bas. Eh hey, Pierrot. Ça dit quoi? Il est derrière là-bas. Plus, il est là-bas. Tout là-bas. Il est là-bas. C'est bon. Oh, il y a les poissons.
vois les poissons. C'est vrai, des gros. Il y a un gros poisson là, juste là, je le vois. Je te jure, il y a les poissons juste devant. Attends, et je vois un truc tout au fond de l'eau, je vais essayer d'y aller. Vas-y, essaye d'y aller. Tu crois que c'est quoi? Je sais pas du tout. Oh, c'est un seau. Un seau? Un seau, on va aller voir le seau. What? Tu vois? Oh, waouh. Voilà, un petit seau qui est au fond de l'eau. Donc, c'est me rapprocher au maximum. Vas-y, essaye de le toucher. Essaye même de l'attraper et on le remonte. De le toucher? Tu veux que je le touche? Ah ouais. Vas-y. Vas-y, touche-le. Moi j'ai dit que tu rentres dedans. Tu vois? Bon, 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 bon. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il est en grec. Il est là. What the fuck? Vas-y, rentre-y dedans, rentre dedans. Attends, je vais rentrer dedans. Ah, papa, je suis dedans. T'es dedans? Oh merde. Oh, attends, je remonte, je remonte. Il va faire un accident de drone. Donc actuellement, tu vois une petite branche et tout ça. Oh, une canette. Il y a une canette. Une canette? Une canette. T'as vu, c'est une canette de quoi? C'est une canette de coca? Canette de coca. Et non, c'est du Sprite. C'est vrai? C'est du Sprite, ouais, c'est actuellement du Sprite. Regarde les herbes. Attends, je vais remonter parce que les herbes, j'ai pas trop confiance. Le câble, les gars, il est là. Mais il va être bloqué là. Oh putain! Je vais mouiller les chaussures. Regardez, il y a un nœud là. Je sais pas si vous le voyez. Le drone, je sais pas où il est. Oh là là, il faut que j'aille retourner voir Pierrot pour lui dire. Je crois que faudrait plus que tu ailles vers là-bas parce que ton câble, il est dans les rochers là. Oh putain, on part en mission. Mission sauvage de câble. 2, 3. Oh putain! J'ai failli mourir, Pierrot. Je crois que c'est un peu bon. Là t'es content? Oh, il prend un Y. Il est en PLS. Il est en PLS le drone. Oh. Putain, je crois qu'il est bloqué là-bas. Ouais, je crois qu'il est bloqué, Pierrot. Bah il va falloir tirer le câble. Ah, il est bloqué là. Là il est bloqué. Il veut pas avancer. Bah c'est qu'est-ce que ça veut dire? Il va devoir aller récupérer le câble là-bas. Mais non mais vite, le câble. Il est dans les rochers là-bas. Oh mec. Déconné là. Sauvetage de drone. Allez Pika. Il est malade. Il est malade ce mec. Allez Pika. C'est un malade. A tout moment, on peut tomber dans l'eau. Hein. Lâchez un gros pouce bleu les gens. Et un gros pouce bleu si vous voulez qu'il tombe. Non franchement non, là qu'il tombe mon gars. Il a 12% de batterie. On peut le faire mon Pierrot, on peut le faire. Allez, feu. Allez, go. Actuellement je sais pas si vous voyez le drone. Parce qu'actuellement le drone il est là-bas au fait de pas aller sur les cailloux. Ah je vois où il est bloqué. Déjà il reste 11% de batterie. Est-ce qu'on va réussir à sauver le drone? Le drone est bloqué. Oh non. Il n'y a plus de batterie. Non, il n'y a plus de batterie. Déjà actuellement il n'y a plus de batterie dans le drone et le drone il est là-bas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher un masque. Non. Et on va devoir aller plonger. Pour de vrai. Ça va faire de l'eau froide. Ah non mais là je ne saute pas là. Ah mais là oui. Je me lève, je ne saute pas. Je saute pas. Perds ton drone là. Est-ce que tu es réaliste? Oh il remonte à la surface un peu. Les gens, c'est énorme ce qui se passe. On va, ben, je crois qu'on va le drone, en fait, il va mourir. Tiens, hey, tire. Il va se couler au froid, il va rester bloqué. Si je tire, ça va. Ouais, je sais, ouais, après froid. Il va rester bloqué. Bon, écoutez, les gens, donc là, actuellement, la seule solution, on dit bien la seule solution. La seule solution, ouais. C'est sauter dans l'eau pour aller récupérer. Moi, je sautais pas. Moi, j'ai sauté, hein. Bouge pas, on arrive, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Donc actuellement les gens, je sais pas si vous voyez, mais un drone sous-marin est échoué là-bas. Et du coup, on cherche une solution. Je sais pas comment ça va se passer. Ah, attendez, il y a un bateau là-bas, au secours. Allez les gars, on essaye de toucher le drone avec une canne à pêche. Et en dernier recours, si on n'y arrive pas, ben on va sauter. Enfin, je vais sauter. Pierrot, il sait pas nager, là c'est pas vrai. C'est un gros poisson. C'est un très gros poisson ça, au moins au bord. Il est juste là. Ok les gens, donc actuellement il est là. Le pêcheur est en train de pêcher, il a un gros poisson. On va là mon Pierrot. Attention à la vague. Ouais. Tirer le drone. On va récupérer le drone. Oui. Mon drone, oui le drone il est là, Est-ce qu'on vient d'économiser plus de 2000€? Oui. Voilà. Alors le drone, on le pose tout simplement ici. C'est bon, le fil on l'a sauvé, par contre on a mis le bout en fait dans l'eau. Du coup on risque de, ben, en fait le fil il risque de plus marcher en fait. On vous tient au courant. Donc voilà les gens, actuellement on a réussi à sauver le drone. Grâce à qui? C'est pas grâce à moi, c'est un peu grâce à Pika, mais c'est surtout grâce
Ah, monsieur, c'est grâce à Anthony qu'on a pu récupérer en fait le drone. Il a pu, avec sa canne à pêche, il y a en fait, tu veux, t'as une cuillère où en fait il a pu raccrocher le câble et tout ça. Donc c'est grâce à lui. T'as une chaîne YouTube? Ouais. Vous mettrez sa chaîne YouTube dans la description. Je compte vraiment sur vous pour vous abonner parce que voilà, grâce à lui, on a économisé 2000 euros. Ah, si jamais vous aimez la pêche, et puis il a une chaîne de pêche. Sur ce, ben voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si vous voulez d'autres vidéos de crash de drone. N'hésitez pas à me dire en commentaire des lieux que vous connaissez qui auraient, voilà, des carcasses d'avions, de bateaux, de beaucoup de choses. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire si vous connaissez les endroits. Sur ce, si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Et si tu veux t'abonner, c'est juste ici. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Merci à Pikachu d'avoir filmé cette vidéo et aussi de m'avoir accompagné dans ce vidéo. J'ai failli sauter, mon gars. J'ai failli sauter. Sur ce, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye.